Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une fois de plus, bienvenue à cette première livraison de ce mois de mars. Vous êtes en direct de l'émission Question de foi, votre grand rendez-vous, un grand angle débat chrétien tous les lundis dès 19h. Je vous souhaite de prendre cette transition. On revient tout à l'heure pour présenter le panel. Du troisième mois de grâce, le mois de mars, que nous sommes en direct de Yaoundé. Aujourd'hui, donc, c'est lundi le 4 mars 2019. Nous vous souhaitons, pourquoi pas, déjà une bonne fête de 8 mars à toutes les femmes qui nous regardent partout. Par ailleurs, nous rappelons que nous avons des femmes qui sont invitées cet après-midi, ce soir, sur ce plateau. Je vais donc commencer tout simplement, permettez-moi de commencer par les femmes, parce que c'est la semaine de la femme, pour ne pas dire le mois de la femme. Nous allons commencer par la charmante dame qui est à ma gauche. Elle est la prophétesse Louise Bébé-Tomé qui a décidé de répondre, pourquoi pas, à notre invitation cet après-midi. Bonsoir prophétesse, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes très belle ce soir ou bien c'est le 8 mars qui s'approche comme ça? Effectivement, il faut bien que les femmes soient bien représentées. Effectivement. Et sans oublier que c'est le mois de la femme, c'est la semaine de la femme. Vous pouvez parler plus fort pour qu'on perçoit, oui. Les femmes doivent être belles. Oui. Parce que c'est la semaine de la femme. C'est la semaine de la femme, c'est le mois de la femme. Mm-hmm. Et les femmes doivent prouver, en fait, montrer aux yeux du monde qu'elles existent. Ok. Elle n'est pas seule sur ce plateau. Elle est accompagnée aussi d'une charmante dame, pasteur Annie Tchawak. Bon après-midi et bienvenue au plateau, première fois sur ce plateau. Merci, tout le plaisir est le mien. Merci de m'avoir invité. Merci également d'être là au milieu de ce panel. Mm-hmm. Donc, c'est toujours un plaisir d'être là, voilà, d'être sur cette émission. Bien m'accueillir, c'est toujours, on peut dire que c'est toujours le mois de mars. On vous trouve très joli à l'écran, là, c'est toujours le mois de mars qui s'annonce. Je dirais peut-être le mois de mars qui s'annonce, mais très souvent, je n'ai pas besoin d'attendre le mois de mars. Parce que je belle nature chaque le mois. Jour, justement, le Seigneur nous gratifie de la vie chaque jour et nous devons en profiter au max parce que nous devons lui dire merci pour ce qu'il fait, parce que tout ce qu'il fait est bien. Merci donc en parlant de tout ce que Dieu fait est bien. On a donc appelé aussi des hommes pour encadrer, vous savez, la femme n'est rien sans l'homme. À ma droite, apôtre Abdou Karios Djanko qui est avec nous. Une fois de plus, bienvenue sur ce plateau, mon apôtre. Oui, bon après-midi. Je salue tous ceux qui sont devant le petit écran pour nous regarder. Je salue aussi le propriétaire de cette chaîne de télévision, et même le directeur, et tous ceux qui sont en prison qui nous regardent, oui. Et ceux qui sont dans les hôpitaux qui nous regardent, tous les corps de Christ. Merci beaucoup. Toujours en parlant des hommes, on revient à gauche, pasteur Benoît, hein, qui est aussi un habitué de cette émission. Bon après-midi, pasteur. Bon après-midi, Simon. Oui. Je veux dire bon après-midi à tous les téléspectateurs qui doivent être en train de nous regarder nombreux à la maison. Je dis bon après-midi à tous mes copanélistes. Bonne soirée. Mesdames, Messieurs, le décor est planté. L'émission en question de foi, c'est un débat, un grand angle de débat intellectuel, de débat chrétien, de débat de connaissance avec des personnes ressources tous les lundis dès 19h. Alors aujourd'hui, hein, comme toujours, on a appelé des personnes ressources qui sont là et nous disons déjà merci pour votre présence, sans oublier qu'il y en a qui arrivent toujours, qui sont en route, hein, je pense qu'ils sont là d'ici peu. Alors nous allons passer directement aux hostilités en vous présentant le thème de cet après-midi. Face aux atrocités qui dévastent le monde, que peut l'Église? Je dis bien, face aux atrocités qui dévastent le monde, que peut l'Église? Deux points, le cas du Cameroun. Alors, à l'entrée, on va tout de suite s'intéresser par Pasteur Benoît qui venait juste de déposer la parole. Il va la reprendre pour nous parler un peu face aux atrocités qui minent le monde. Deux points, que peut l'Église au Cameroun, dans le cas du Cameroun. Pasteur Benoît.
Oui. Une fois de plus, bienvenue. Alors, vous avez la parole. Oui. Le thème d'aujourd'hui, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup parce que quand on parle des atrocités, tout le monde entier est victime actuellement. Oui. Je me rappelle même Monsieur Vita qui disait, nous sommes tous des mangeants de la paix. Oui. Voilà. Donc, actuellement, si on revenait singulièrement au cas qui concerne le Cameroun, que peut l'Église face à cette situation? L'Église, déjà, il faut comprendre. Il faut comprendre que le monde évolue. Le monde est dans un mouvement. Le monde évolue dans une direction. Une direction qui n'est pas ignorée par Dieu. Une direction que Dieu a prévue, qu'il a annoncée. Une direction qui se trouve, que les prophètes, en commençant par notre Seigneur, beaucoup d'entre eux ont parlé de ce qui allait arriver au monde. Ils ont annoncé ça. Quand on va consulter l'Écriture, quand on va regarder le livre d'Apocalypse, quand on va regarder les évangiles, quand on va regarder la prophétie de Daniel ou le livre de Daniel, quand on va regarder d'autres livres, on va découvrir que ce qui se passe sur la terre, ce que le monde subit, les atrocités dont il est question, notre Seigneur avait dit que ça allait arriver. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Déjà, quand on parle d'atrocité, on fait référence à quoi? On fait référence aux guerres. Le monde est frappé par des guerres de plus en plus violentes. De plus en plus, on a des pluies de guerre. De plus en plus des pays se liguent contre d'autres pays. Des groupes armés se constituent et attaquent des nations. On a des personnes qui deviennent des entrepreneurs de guerre et qui font de la guerre un profit, qui profitent de la guerre. Il y a la guerre qui est une atrocité qui décime, qui attaque le monde. On a également la famine qui est une atrocité. Il y a encore dans ce monde des endroits où les gens ne mangent pas à leur faim. Certaines personnes n'ont droit qu'à un repas par jour. Et déjà même repas qui n'est peut-être pas très bien équilibré. On a des endroits où l'eau potable n'est pas, il n'y a pas d'eau potable, où on boit au marigot. On a des endroits où le choléra est encore perçu comme une malédiction des dieux, comme des mauvais esprits qui sont en train de tourmenter ou comme des mauvais sorts qu'on a jetés dans certains coins. On a des endroits avec, il y a les maladies, les atrocités, on va trouver qu'il y a la maladie. On va trouver qu'il y a des crimes qui se font dans le monde, sur la terre, et le Cameroun n'est pas épargné. Ici et là, on peut entendre qu'un enfant a disparu, on a retrouvé une tête coupée, on a retrouvé quelqu'un dans un sac. Pour revenir un peu, Pasteur Benoît, pour rester un peu dans le sujet du thème, oui. Que peut l'Église contre le Cameroun, Seigneur? D'accord, que peut l'Église face à tout ça? J'ai bien d'avoir voulu énumérer tout ça pour entrer maintenant. L'Église peut faire 4 choses ou 5 choses. Je vais commencer par la première. L'Église a une fonction éducative. L'Église, je vais chuter là pour revenir plus tard. D'accord. Alors, apôtre Abdou Karioz, hein, vous venez d'écouter cette présentation du pasteur Benoît. Je rappelle quand même que vous faites pas mal d'actions dans ce domaine-là. Par ailleurs, même vous avez une activité en cours. Vous pouvez nous parler de ça avant de revenir un peu sur le thème. Vous avez une activité, vous avez lancé un concept. Oui, déjà, depuis la crise sud-ouest-nord-ouest, je n'aime pas appeler ça sur crise anglophone, mais j'aime appeler ça la crise sud-ouest-nord-ouest. Nous avons d'abord fait une conférence par rapport aux équipes de réveil. Et nous avons dégagé certaines solutions que nous avons essayé d'envoyer à la présidence par courrier. Et nous nous préparons encore pour poser des actes bien concrets. Nous avons lancé une opération d'un sac de riz, un sac de riz, un carton de savon pour toutes les églises, afin d'apporter, pour aller un soutien soutenir nos bien-aimés, nos frères qui sont partis du sud-ouest à cause de cette crise, sud-ouest, nord-ouest. Et nous avons localisé au moins 4 sites de Loum, Banga, Penja et Babajou, dans l'ouest. Je crois qu'il y a d'autres sites. Il y a même l'autre site qu'on parle du Nigeria. Parce que nous avons appris que nous avons beaucoup de frères nigériens qui sont déplacés, ils sont dans les camps de réfugiés. Alors, hormis ces activités sociales, que peut l'Église face à cette situation, cas du Cameroun? Pour le cas du Cameroun, il faut que l'Église déjà prie
et proposer des solutions spirituelles. Mm-hmm. Parce que lorsqu'il y a des crises, et quelque part, la solution doit d'abord venir spirituelle. Mm-hmm. Il faut d'abord la solution spirituelle. Mm-hmm. Avant la solution politique, mm-hmm. et je ne sais pas l'autre solution. Okay. Il faut d'abord la solution spirituelle. Lorsqu'il y a une crise, voilà pourquoi David pouvait dire, quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? Mm-hmm. Le juste, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, quand nous regardons dans notre société, nous allons voir que le fondement de tout, le fondement politique renversé, le fondement social renversé, le fondement, qu'est-ce que je peux dire, le fondement intellectuel, c'est-à-dire l'individualisme renversé, aujourd'hui, tous ces fondements sont renversés, qu'est-ce que le juste va faire? Et quand nous lisons dans ça dans Psaume 11, verset 3, et la réponse est là. Mon juste vivra par la foi. Mmh. Et il y a une autre solution que le Seigneur dit. Il dit, dans les derniers temps, les gens seront égoïstes, mmh. fanfarons, ennemis de Dieu. Voilà pourquoi nous voyons toute cette violence sur la terre. Parce que les gens ne sont plus, les gens n'aiment plus Dieu. Mmh. Le monde entier n'aime plus Dieu. Les gens sont égoïstes parce qu'on peut mettre fin à la famine mondiale. C'est parce que les gens, la Bible, dans 1 Corinthiens, je crois, 2 Timothée 3, parle de cela. Les gens sont égoïstes, fanfarons, ennemis de Dieu, insensibles. Les gens sont devenus insensibles. Le monde entier est devenu insensible pour les gains personnels. Voilà pourquoi le monde a des problèmes aujourd'hui. Et souvent, on fait des colloques de paix. La paix mondiale, j'ai eu une fois, on parlait tout récemment, on avait fait une conférence de paix en France. Mmh. Et vous allez voir que ces chefs d'État sont en France, ils font la conférence de paix, mais ils ne parlent pas du prince de paix. Mmh. Il ne parle pas de celui qui apporte la paix. Il ne parle même pas de Dieu qui peut apporter la paix. Mmh. Et quand vous mettez Dieu dans ce que vous faites, comme Dieu est gentil, il se met à l'écart. Mmh. Il vous regarde. Voilà pourquoi nous avons la violence aujourd'hui dans le monde entier. Et la solution, c'est dans la main de l'Église, par la prière et par l'éducation, comme le bien-aimé venait de dire, et par toute autre chose que nous avons dit sur ce plateau, pour aider ceux qui sont en train de nous lever. Parce que c'est une thématique. Je viens vous dire que c'est une thématique très, très importante pour apporter vraiment la solution pour nos pays. Voilà. Merci, apôtre Abdou Karios. Hein. On va passer la parole à sa madame qui est à mes côtés, la prophétesse Louise. Je rappelle que vous avez organisé il y a quelques mois une séance de prière pour ce cas aussi dans votre église, la couronne du salut. Revenons un peu au thème. Vous avez souvent quelque chose à dire. Que peut l'Église, hein, singulièrement, au Cameroun? Je venais qu'on parle sur la base du monde, mais restons au Cameroun, puisque nous sommes des Camerounais. Il serait difficile pour nous de parler de ce qui se passe en France. Pourtant, ici même à Yaoundé, ou bien à Baminda, ou bien à Beya, on a les mêmes situations. Ce que je veux d'abord parler, c'est que l'Église a un rôle d'éduquer. Mmh. Ça, c'est très très important. Mmh. Parce que l'homme a perdu quelque chose de très très important. C'est quoi? La pensée de l'éternité. Parce que tout homme a été créé, et Dieu, pendant que Dieu créait l'homme, il a mis la pensée de l'éternité. Mmh. On retrouve cela dans le livre de Ecclésiaste 3 au verset 11. Mmh. Maintenant, la pensée de l'éternité est endormie dans les cœurs des hommes. Et les hommes ont pris la pensée du présent. Mm-hmm. C'est-à-dire, je vis parce que je suis là aujourd'hui. Mm-hmm. L'éternité n'existe pas. Et comme l'éternité n'existe pas, nous souffrons. L'homme est confronté à la réalité. Et la réalité, la pensée de l'éternité, c'est qui? C'est Dieu qui a la pensée de l'éternité. Parce qu'il est écrit dans le livre de 2 Timothée 3, 16 que toute écriture est inspirée de Dieu. Mmh. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Mmh. Avant d'arriver à être accompli et propre à toutes bonnes œuvres, il faut qu'on soit éduqué. Il faut qu'on réveille la pensée de l'éternité. Alors l'Église, qu'est-ce qu'elle peut? L'Église doit maintenant s'atteler à prêcher l'Évangile. En fait, à réveiller cette pensée. Parce que
tous les êtres humains ont cette pensée déjà que Dieu a établie. Donc personne n'ira en enfer parce qu'il dira que je n'avais pas entendu. Mmh. Ou alors, il y a quelque chose qui me manquait. Parce que Dieu a pris des dispositions quand il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Ouais. Donc il a mis cette base-là dans la vie des hommes. Donc l'Église doit se préparer donc, et s'investir à renverser la tendance. Bon, à réveiller cette pensée qui est latente dans les cœurs des hommes. À la réveiller. En faisant comment? En prêchant l'Évangile. Mmh. Quand on va prêcher l'Évangile, l'Évangile a tout. L'Évangile a la richesse. Parce que c'est ce que nous cherchons. Mmh. Parce que nous cherchons la richesse. Nous sommes devenus les ennemis de Dieu et nous créons notre propre... En fait, notre propre Dieu. Mmh. Et nous sommes nos propres dieux. Je vous coupe ma prophétesse. Mmh. Par exemple, le cas de Bamenda actuellement, comment est-ce qu'on peut prêcher l'Évangile à ce moment-là? Maintenant, pour prêcher l'Évangile à Bamenda, mm-hmm. ce n'est pas difficile. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que moi, je me dis que pour arriver à Bamenda, nous avons les médias, mm-hmm. nous avons des réseaux sociaux. Oui. On peut passer par là pour passer le message. Par là pour glisser le message. Oui. Et maintenant, la chose que l'Église doit faire, c'est de créer les richesses. Oui. L'Église doit créer les richesses. Parce qu'au commencement, je vais parler de Jésus, mmh. il a commencé son ministère en créant les richesses. Mmh. On dit, ici, on n'entend pas créer des richesses, des emplois, c'est les ça? Emplois. En fait, oui. quand on crée une entreprise, oui. on crée les richesses oui. et on crée les emplois. Mmh. Ça permet à ce qu'on recrute des gens. Oui. Mmh. Donc, l'Église doit pouvoir créer les richesses. Parce que notre Dieu est riche, la richesse oui. appartient à Dieu. Mmh. Et tant que l'Église n'est pas encore en train de créer les richesses, il y a un problème mm-hmm. où notre Dieu n'est pas très fort. Oui. Mais moi, je pense que notre Dieu est très fort. Mm-hmm. Nous devons créer, en prêchant l'Évangile, mm-hmm. on doit créer les richesses. Mm-hmm. Parce que je vais prendre un tout petit exemple, vous permettez. Oui. Le Seigneur Jésus, quand il commence à chercher à chercher ses disciples, mm-hmm. il rencontre deux personnes. Mm-hmm. Ce sont des pêcheurs. Ils ont pêché toute la nuit, ça veut dire qu'ils ont travaillé toute leur vie. Quand oui. on dit toute la nuit, moi je veux dire que depuis vie, peut-être ouais. 40 ans, oui. ils n'étaient pas riches, oui. ils n'avaient rien. Mm-hmm. Et le Seigneur maintenant, pour les emballer dans ce qu'ils faisaient, pour leur parler de l'Évangile, mm-hmm. et pour les emballer dans l'Évangile, il a fait comment? Il leur a dit, lancez le filet ici, ils ont pêché mm-hmm. deux grandes pirogues. Mm-hmm. Ils ont fait quoi avec le poisson? Ils ont jeté. La question que je me pose, ils ont jeté le poisson? Je ne pense pas. Le poisson a été utilisé pour créer une entreprise. Mmh. Ces gens-là pouvaient se lever et aller prêcher l'Évangile librement. Mmh. Parce que quoi? Ils avaient à manger. Mmh. Donc l'Église doit créer premièrement les richesses. Oui. En enseignant l'Évangile, ils doivent amener les gens à créer les richesses. En fait, j'allais dire, nos pasteurs, mmh. nous pasteurs, mmh. nous devons créer les entreprises. C'est vrai, c'est que nous... Alors, c'est que la prophétesse dit là est très important parce que moi, dans le cadre de mon travail, j'ai rencontré beaucoup de fidèles couchés dans les églises. C'est-à-dire qu'un fidèle se lève le matin, il est couché à l'église, il prie Dieu et il s'est dit que sa vie va changer là. C'est très important ce qu'elle a été expliqué. C'est-à-dire qu'il est très important de, hormis on est chrétien, mais de trouver à faire quelque chose. C'est-à-dire que vous n'allez pas passer tout le temps à prier et vous allez, bon, tu te lèves le matin, tu vas à l'église, tu pries, le matin, Dieu va changer ta vie. Non. Il est très important pour les enfants de Dieu à trouver. A fait une activité et derrière cette activité sûrement Dieu peut bénir et je pense que les fruits viendront. Et quand les fruits viendront, quand on a de l'emploi, quand on est occupé par les activités, je pense que c'est même difficile de se lever le matin et dire bon je m'en vais faire la guerre ou bien je m'en vais tuer mon frère. C'est très important, moi je retiens ça. Alors on passe la parole à notre charmante dame, hein, le mois de la beauté, le mois de la femme. Alors pasteur Annie, le thème est lancé, quel est le mot que vous pouvez nous dire là tout de suite à l'entrée? Ok, merci déjà de me passer la parole. J'adhère à tout ce que mes copanélistes ont dit. Mais moi, je vais commencer pour moi en regardant sur deux plans. Je dirais, l'Église peut contribuer à gâter un pays et l'Église peut également contribuer à pouvoir bâtir une nation. Mm-hmm. Donc, quand je regarde le côté de que peut l'Église, la Bible dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche.
Maintenant, si cet homme qui se tient à la brèche, qui est considéré comme l'église, parce que quand on parle de l'église, on a toujours comme impression que c'est le bâtiment. L'église aussi, c'est toi, l'individu, parce que tu es le temple du Saint-Esprit, parce que c'est toi que le Seigneur a désigné justement pour être cette personne-là qui porte cette responsabilité-là. Alors, si toi, à la brèche, tu ne t'entends pas avec l'autre qui se tient à la brèche, parce que c'est ça qui se passe dans les églises aujourd'hui. C'est bien beau de dire oui, l'église doit faire ceci, l'église doit faire cela. Est-ce qu'entre nous, église, déjà on s'entend? Si entre nous, les congrégations, on ne s'entend pas, on ne peut pas mettre nos forces ensemble pour pouvoir prier afin que le Seigneur instaure la paix. Peut-être je vais développer plus tard. Mm-hmm. Maintenant, d'un autre côté, cet homme qui se tient à la brèche, la Bible nous recommande fortement d'élever nos voix justement pour prier pour nos autorités, prier pour qu'il y ait la paix dans la nation. Si ces personnes qui élèvent leur voix justement sont en accord avec la parole de Dieu, je pense que l'Église peut faire beaucoup de choses. Moi, je dirais malheureusement, honnêtement, vu la situation qui prévaut, puisqu'on parle du cas du Cameroun, l'Église n'avance pas trop dans le cas de la stabilité dans tout ce qui se passe au Cameroun, parce que nous avançons comme des brebis, chacun. Ça, c'est votre idée. Nous avançons chacun dans son couloir. Nous avançons. Oui, quand on parle de l'Église, je l'ai dit tantôt, on ne parle pas de l'Église. Certes, c'est le corps de Christ, mais est-ce que ce corps est ensemble? Si le bras, et c'est ce que nous voyons de nos jours, le bras dit, bon, moi c'est le bras, je ne suis pas utile pour le pied, je ne suis pas utile pour le pied, etc. Oui, l'église en mouvement. Moi, je ne le fondez pas, hein, allez-y. Moi, je dirais même que notre église, chacun va dire l'église en mouvement. Voilà. Chacun va tirer la couverture de son côté. Ouais, ouais. Moi, je dis l'église en mouvement, mais je vous dis, si ce mouvement-là pouvait ne pas être un mouvement égocentrique, mais pouvait être un mouvement dans son ensemble. Ou quand le prophète m'appelle, est-ce que tu as telle chose, je viens, quand j'appelle telle, je viens, on se met ensemble, on prie. Je pense qu'on ferait mieux que ce que nous faisons. Mais sans vouloir vous couper, pasteur Annie, vous pensez que c'est possible quand même de vivre dans un monde plus beau? Parce qu'en vous écoutant là, on peut facilement vivre dans un monde plus beau. Hein? Il suffit tout simplement d'appeler toutes les confessions religieuses, toutes les congrégations, et on se met ensemble. Vous pensez que pour servir Dieu, tout est si facile, hein? Tout simplement? Justement, si on croit que tout n'est pas si facile, alors ne pensons pas que l'Église a quelque chose de très grandiose à faire pour la stabilité vu tout ce qui se passe autour de nous. Par contre, c'est à ça que le Seigneur nous appelle, c'est-à-dire à être ensemble. Ce ne serait pas facile, mais ensemble on peut surmonter ces montagnes, on peut surmonter ces difficultés, parce qu'en fait c'est ça. La Bible dit, je vais un peu citer, c'est, allez-y, allez-y, madame. C'est tout simplement, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est l'inimité contre Dieu? Quiconque donc voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Ça, c'est dans Jacques chapitre 4, verset 4. Comme pour dire quoi? Comme pour dire que l'une des choses également qui pousse ces individualismes, excusez le terme, c'est parce que nous voulons être amis d'eux. C'est-à-dire qu'on n'a plus trop centré à Dieu. Je suis dans le côté où l'église dandine un peu, où en dandinant, on ne peut pas apporter grand-chose à la stabilité. Alors, il y a des personnes qui veulent préserver certaines notoriétés physiques, intellectuelles, préserver certaines, je ne sais pas, une sorte de stratification dans la société, et ainsi faisant, ils veulent marcher seuls. Pasteur Annie, si on reste un peu sur les propositions, parce qu'on dit que peut l'Église face à ces atrocités, cas du Cameroun. Tout à l'heure, on a écouté l'apôtre Abdou qui a fait des propositions. Lui, il est déjà même sur le terrain avec un concept qui demande aux églises de donner des salaires. On a écouté la prophétesse, hein, elle, qui dit qu'il faut créer des richesses. Les pasteurs doivent créer des richesses pour éviter la pauvreté. On a écouté pasteur Blanc tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut, à votre niveau, quelles sont les propositions? Parce que là, maintenant, il n'est plus ce qu'on doit faire, ce qu'on devrait faire, non? Cette l'action est là. Le pays connaît, traverse déjà des faits du moins pas mal de difficultés dans certaines régions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est pourquoi je me suis inscrit sur deux plans. Oui. Et sur ce plan, l'Église, premièrement, doit sortir de l'amour du monde. Oui. À chaque fois qu'il y a l'amour du monde, parce que le monde s'est installé en fait dans l'Église. Et si nous nous débarrassons de nous conformer au siècle présent, d'aimer les choses du monde, même si sous-jacent, on se dit en fait qu'on aime Dieu, on aime, mais quand tu te rapproches, tu comprends bien qu'il y a un peu de matériel qui prend le dessus. Donc l'Église doit cesser d'aimer le monde et aimer les choses de Dieu
Et il y a bien sûr des critères pour aimer les choses de Dieu. Mmh. Ce n'est pas le dire de bouche, mais c'est le mettre en pratique, bien évidemment. On vous revient tout à l'heure, Pasteur Annie. Alors, on a un autre panéliste qui vient d'arriver. Hein. Il est avec nous constamment. Bonsoir, bon après-midi. Présentez-vous un peu. Bonsoir. Bismillah, wa salatu wa salam, wa ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Toutes les louanges sont à Allah, le Seigneur de l'univers, prières incessantes sur le noble messager, ainsi que sur sa famille et ses nobles compagnons. Je commence d'abord par m'excuser pour le retard. Ensuite, j'ai trouvé déjà mes collègues et mes camarades ont déjà débuté sur le thème, n'est-ce pas, qui est un thème très très important. Et je passe dessus pour dire que je suis votre frère Ndikam Moubarak, qui est étudiant en théologie au centre du serviteur des deux saintes mosquées de Yaoundé. D'accord. En parlant d'étudiants en théologie, hein, ça nous intéresse puisque là on parle de l'Église. Par ailleurs, vous êtes musulman. On peut tout simplement juste transcender l'Église à l'islam. C'est la même chose, c'est les religions. Alors, que peut les croyants, pour revenir à vous, que peut l'Église? Parce que tout à l'heure, le pasteur nous a dit que l'Église, c'est vous, c'est moi, c'est la maison de Dieu, c'est la communauté religieuse, la communauté chrétienne. Voilà, pour revenir un peu à ces mots, que peut à votre niveau, pour essayer de lutter contre la communauté musulmane, pour ce qui vous intéresse, pas simplement, face à ces atrocités. Oui, premièrement, convient d'abord de savoir que les religions est à la base céleste, c'est-à-dire ça vient du Seigneur de l'univers. Et le Créateur Dieu, lorsqu'il a créé l'humanité, il a mis à leur disposition, n'est-ce pas, des choses, que s'il passe par cela, par ces choses-là, ils concrétisent ces choses-là, ils vont, n'est-ce pas, atteindre des buts qui sont, n'est-ce pas, à leur propre profit, à leur propre intérêt. Donc, à l'exemple, n'est-ce pas, de mettre en pratique les injonctions divines et de, n'est-ce pas, éviter tout ce que le Seigneur a interdit. C'est pourquoi maintenant, si je reviens, par exemple, avec le cadre de l'islam, parce que j'ai toujours eu à préciser ici que nous, on a une certaine conception que dans la vie, dans le monde, on a toujours voulu qu'il y ait quand même de la justice, comme, n'est-ce pas, mes collègues ont été un peu précisé. Il faut de la justice dans certaines choses. Au début, quand Noé est venu, il fallait le suivre parce qu'il était un messager venant de Dieu à son époque. Après lui, d'autres prophètes sont venus, il fallait le suivre. Et après, maintenant, on a eu la venue de Moïse, il fallait le suivre à son époque. Il y avait maintenant la venue de, n'est-ce pas, de Abraham, il fallait le suivre. Il y a eu la venue de Jésus-Christ, il fallait le suivre à son époque. Et maintenant, le prophète Mohammed est aussi venu, il fallait aussi le suivre. Et maintenant aussi, la religion de l'islam, dans son sens même, donne, n'est-ce pas, la solution à tous ces problèmes, à ces atrocités que nous voyons, n'est-ce pas, partout dans le monde, et encore plus précisément au Cameroun. Parce que on a déjà le mot islam, ça dérive du mot aslam, qui est, n'est-ce pas, la paix. Le nom même de l'islam est en train d'expliquer cela. À partir d'ici, vous allez trouver aussi que c'est vraiment la religion venant des cieux, c'est vraiment la religion de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas avoir une religion et poser au nom de cette religion-là le nom de ses créatures. Donc Dieu, si la religion l'appartient, cette religion va porter. Oui, je parle de l'islam ici. Oui, c'est quelque chose qui l'appartient. Qu'est-ce que ça veut dire? Expliquez un peu plus clairement. Je veux dire que je voulais peut expliquer que l'islam même et la religion, n'est-ce pas, venant de Dieu. Oui. J'ai commencé par m'argumenter sur le fait que le nom même de cette religion qui est l'islam est, est un nom parmi les noms du Dieu. Okay. Parce que le Dieu a plusieurs noms. Il a le tout miséricordieux, il a le très miséricordieux, il a la paix. Donc celui-là, n'est-ce pas, qui apporte la paix. Donc maintenant, dans son sens même, l'islam veut dire la paix. Ça veut dire que si Dieu a fait descendre cette religion de l'islam et a demandé à l'humanité, n'est-ce pas, de suivre cette religion, et qui est, n'est-ce pas, la religion de tous les prophètes. Parce que logiquement, vous n'allez pas refuser Moïse, Jésus, Abraham. Tous ont voulu concrétiser, n'est-ce pas, la paix, parce qu'aucun d'entre eux n'a voulu qu'il y ait du désordre sur terre. Donc c'est pourquoi je profite pour dire que l'islam est la religion de tous ces prophètes. Donc l'islam est venu maintenant pour apporter un bien à l'humanité. Et maintenant, pourquoi aujourd'hui des gens se réclament à des religions et on retrouve dans le désordre dans le monde? C'est vraiment parce que dans le fond, ils n'ont pas suivi, n'est-ce pas, les injonctions divines. L'islam propose, pour des atrocités qui se passent dans le monde, de suivre tout simplement les injonctions divines. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a dit, voilà, tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Il a dit, ne commettez pas la corruption sur terre
après qu'on ne n'est pas arrangé toutes ces choses. Donc maintenant, le musulman à la base, l'être humain à la base, est appelé à être un ambassadeur de la paix. Surtout le musulman. Mm-hmm. Parce que si le musulman a déjà, il appartient déjà à l'islam, et l'islam c'est la paix, si vous retrouvez un musulman après, qui est en train, n'est-ce pas, de contredire ce sens de l'islam, qui est, n'est-ce pas, en train d'appeler les gens, il faut encore comprendre, chercher à comprendre son islam. Parce que le vrai musulman, c'est qui? C'est celui qui a appris ce que c'est le Coran a recommandé. Il a appris ce que le messager, les messagers ont enseigné. Il a, n'est-ce pas, mis en pratique, n'est-ce pas, sur le terrain. Okay. C'est pourquoi maintenant nous disons, il incombe à chacun, pour être ambassadeur de la paix, premièrement d'apprendre sa religion. Un musulman qui apprend l'islam, sait c'est quoi l'islam, goûte à la saveur de l'islam, goûte à la saveur de la foi, il va aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Parce que personne n'aimerait qu'il y ait du désordre chez lui. C'est pourquoi, pour concrétiser même ce sens de la paix, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est quitté de la Mecque lorsqu'il a fait l'Égypte pour la Médine. La première des choses, quand il arrive à Médine, il a dit « Ya ayyuhan nas, at'imu ta'am wa afshu salam wa sallu billayli wa nasu niyam » Il a dit « Oh vous les hommes, donnez à manger aux pauvres, nourrissez ceux qui ont faim, transmettez le salut de la paix entre vous. » Et c'est ça qui traduit le sens de assalamu alaikum chaque fois que je rencontre un frère musulman. Quand tu dis assalamu alaikum... Pour revenir un peu sur le thème, frère, ce qui concerne le Cameroun, votre communauté, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Singulièrement, Baminda, Babuya. On a fait beaucoup. Des prières. Oui, on a fait beaucoup. La première des choses, c'est que on ne cesse pas d'enseigner dans des écoles où on enseigne le Coran. Parce que le Coran est venu, Allah subhanahu wa ta'ala dit Tahama anzalna alayka al-Quran alitashka. Allah dit dans le Coran qu'il n'a pas révélé le Coran pour qu'on soit malheureux. Donc maintenant, lorsqu'on enseigne déjà le Coran aux gens, c'est pour atteindre un but ultime qui est la purification de l'âme. Une fois que l'âme est purifiée, ça appelle, n'est-ce pas, à la stabilité, à la paix dans le milieu où nous vivons. La paix de l'âme, la paix de son entourage, la paix de la ville, la paix du pays. Donc les musulmans enseignent dans les écoles coraniques le Coran déjà aux enfants. Ils ne cessent pas dans leur mosquée, n'est-ce pas, de donner des prédications, de conseiller, n'est-ce pas, les fidèles. Ils ne cessent pas de faire des prières 5 fois par jour. Parce que je ne comprends pas que si je me retrouve avec un frère dans la mosquée 5 fois par jour, je pourrais encore avoir de la haine pour ce dernier. C'est impossible. Donc maintenant, ces choses... Une façon de nous expliquer que chez vous, les musulmans, il n'y a pas de haine. Parce que vous priez 5 fois par jour ensemble. Oui, oui. La haine peut se retrouver chez ceux qui se réclament d'être des musulmans alors qu'ils sont des ignorants. Mettons ce point. Parce qu'il y a des brebis perdus partout. Donc il peut y avoir des musulmans, par exemple, aujourd'hui on a ceux qui se couvrent, qui disent qu'ils sont des musulmans, l'exemple du Boko Haram, mais qui sèment du désordre sur la terre. Aujourd'hui, vous allez même trouver que les victimes, ceux qui sont même plus victimes de leur mal, ce sont encore les musulmans dans les mosquées. Ok, on revient tout à l'heure là. On passe la parole à Pasteur Benoît. Pasteur Benoît, on a écouté un peu notre frère musulman qui a essayé d'expliquer d'une manière ou d'une autre que la paix déjà, du moins tout le monde devrait être bâtisseur de la paix, puisque quand il y a la paix, c'est tout le monde qui en profite, tout le monde est consommateur de la paix. Même comme un chef d'État disait dernièrement que nous sommes tous des mangeants de la paix. Et la question qu'on se pose, comment donc être mangeant de la paix, autant nous sommes beaucoup plus dans un pays comme le Cameroun, où on peut faire, je me rappelle, j'ai fait dans le cadre d'une édition, j'avais retrouvé que le Cameroun avait en 2018 416 églises au Cameroun en 2018. Ça, c'est une enquête que j'ai menée dans le cadre de mon journal. Alors, on se rend compte que 416 églises, est-ce qu'on ne peut pas utiliser ces chrétiens, cette communauté chrétienne pour descendre sur le terrain, sensibiliser, passer le message, faire des plaidoiries? Est-ce que ça ne peut pas jouer? 416 églises au Cameroun en 2018, ça, c'est un peu le rapport. Vous devez déjà comprendre que la croissance et la multiplicité des églises, des communautés, c'est prophétique. La Bible l'a annoncé. Ce n'est pas une chose étonnante pour ceux qui consultent et qui comprennent les Écritures. Également, comme je disais au départ, dans l'entame de mes propos, les calamités qui attaquent le monde sont également prophétiques. La Bible l'a également annoncé. Je veux dire, j'ai dit que l'Église dénonce, j'ai dit l'Église éduque. Jésus dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, le chapitre 28, verset 20, il dit « Enseignez-leur à observer. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. » Donc, l'Église a un rôle moralisateur. Et a pour mission d'enseigner à l'homme d'aimer l'homme. Et c'est ce que Jésus a fait. C'est ça même le mystère du christianisme. C'est pourquoi
le discours de tuerie, de meurtre, d'égorger, n'est pas un discours qui se trouve chez nous, mais peut-être chez les autres. Mais chez nous, on n'a pas ce discours-là. Ça dit que nous ne tuons pas au nom de Dieu. Nous ne le faisons pas. Donc déjà, l'Église a pour mission d'enseigner les hommes, d'enseigner les femmes, d'enseigner à aimer Dieu et à aimer son prochain. Si on aime son prochain, on ne peut pas lui faire ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. L'amour consiste à faire du bien, à chercher à faire du bien à l'autre. L'Église éduque. L'Église dénonce. Dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 5, le verset 11, il dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. L'Église a pour mission de dénoncer ce qui est un mal, ce qui est mauvais, ce qui est un problème, de le décrier, de le condamner. C'est pour ça que l'Église a toujours fait. Elle a toujours fait. Quand les événements se produisent, quand les calamités, quand les choses, nous le disons. Nous disons. Tout à l'heure, je vous coupe pas, pasteur Benoît. On a écouté pasteur Annie qui nous disait que oui, l'Église a toujours fait, mais il y a des manquements encore. C'est pourquoi j'ai commencé mes propos par vous dire que tout ce qui arrive au monde est prophétique. N'espérez jamais que le monde On peut dire que tout ce qui se passe actuellement, c'est la prophétie qui se réalise. Je vais vous lire quelque chose dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 6. Intéressant, je pense que la maison peut noter les chapitres. Chapitre 6, verset 4. Et il sortit, commençons au verset 3. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir, souligné pouvoir, d'enlever la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Je ne vais pas faire un cours d'eschatologie pour commencer à décrypter ça ici. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que la guerre est un esprit, comme la mort est un esprit. C'est pourquoi parmi les choses que l'Église fait, l'Église attaque l'esprit. Mon quatrième point, parce que je suis au deuxième point. Le premier point, j'ai dit l'Église enseigne, c'est-à-dire que l'Église éduque. Le deuxième point, j'ai dit que l'Église dénonce. Le quatrième point, l'Église combat. De deux façons. Mais la première façon, c'est spirituellement par la prière. Pourquoi? Parce que la paix est quelque chose de spirituel. La guerre aussi est quelque chose de spirituel. Ça commence dans l'esprit de l'homme. La guerre commence dans l'esprit de l'homme. La guerre commence en esprit et ça se manifeste physiquement. Il suffit que quelqu'un n'ait pas de paix dans sa tête. Il suffit que quelqu'un soit révolté contre tout. Il suffit que quelqu'un soit fâché contre le système, fâché contre son voisin, fâché. Qui peut prendre un fusil et tirer sur vous? Mais si ce monsieur, il a la paix dans son esprit, si la paix vient dans son esprit, il n'a aucune raison de tirer sur vous, puisqu'il est en paix à l'intérieur. Vous ne pouvez pas vouloir instaurer une paix physique quand spirituellement les gens n'ont pas de paix. Ça ne pourrait pas être possible. C'est pourquoi l'Église a un travail, fait un travail, et depuis toujours, je reviendrai profondément là-dessus. Mais je veux chuter donc sur mon deuxième point. L'Église dénonce. L'Église condamne. Nous condamnons le fait que les gens soient qui est la guerre dans les régions du nord-ouest et le sud-ouest. Parce que, de toute façon, ce sont nos frères qui périssent tous les jours. Les jeunes là-bas, les mamans là-bas, les bébés là-bas, tout le monde qui... À ce moment-là, quand une balle est tirée, n'a pas d'amis. La balle n'a pas d'amis. Quand elle tire, ce qu'elle trouve sur le passage est décimé, s'en va. Si ça traverse le pied, vous ne récupérez plus votre pied. Le pied est foutu. Ça veut dire que, en fait, donc, l'Église a pour rôle de décrire et l'a toujours fait. Nous décrions. Nous enseignons. Nous enseignons à ceux qui sont avec nous à aimer. Nous enseignons à ceux qui sont avec nous à cultiver la paix, à pardonner. C'est l'enseignement du Seigneur Jésus. Il dit que si on te chiffre sur la joue, doit te présenter l'autre jour. Imaginez un seul instant quelqu'un qui a cette culture-là. Il serait difficile pour lui de prendre les armes. Et c'est ce que Constantin avait compris. C'est pourquoi il a soutenu le christianisme. Il est difficile pour quelqu'un qui a été enseigné qu'il faut partager avec son voisin. Si tu as un morceau de pain et que l'autre n'a pas, tu lui donnes de vouloir vous empoisonner. Il est difficile. C'est qu'il vient à ce que je disais tout à l'heure, qu'il est difficile de prier avec une personne 5 fois par jour. Et bon, ça renvoie pas. Chacun parle pour sa chapelle. Non, effectivement. Le message passe. Toujours est-il que dans ce qui est intéressant là, c'est que
Il y a le discours moralisateur, oui. Que tout ce qui est communauté, dite religieuse et spirituelle, tient. C'est déjà un premier point. D'accord. Alors, je vais demander à toutes les personnes qui nous regardent à la maison que vous pouvez participer à l'émission uniquement par SMS ou WhatsApp aux deux contacts que vous voyez affichés sur votre petit écran. Je vais essayer de lire un message qui nous arrive. Il est très difficile de... Oh, bon là, je ne peux pas lire ce message, excusez-moi en direct, parce que ça ne cadre pas à la ligne éditoriale de notre... Voilà. Alors, le message, pour résumer, il est difficile pour les pasteurs qui sont sur le plateau de parler de paix, parce que nous, à Baminda, on a tout, sauf les églises. Je ne crois pas aussi. Là, c'est un message qui vient d'un pasteur qui nous lit depuis Douala. Je ne crois pas donc, aussi. Je ne voulais pas tout lire. J'ai juste résumé ce que le pasteur veut dire, parce que c'est un peu un message qui est un peu difficile, qui est un peu dur. Alors, le pasteur veut vous faire comprendre ici que... À Baminda là-bas, c'est-à-dire que ici vous allez à Oundé, vous priez tous les jours, mais à Baminda où vous êtes en pleine église, là, en train de tirer, il y a les balles dehors, il est difficile vraiment d'y croire. C'est un peu le message que je ne voulais pas lire. Bon, mais là, j'ai quand même résumé. Cher pasteur, votre message est passé. Je pense que vos collègues qui sont sur le plateau comprennent ce que je veux dire. Alors, apôtre Abdou. Oui. Voilà un pasteur qui dit qu'en plein culte, vous avez les balles réelles qui passent dehors. Et c'est difficile pour eux, ou bien pour vous ici, de prier pour ces personnes, hein, parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe exactement de ce côté-là. Oui, avant d'arriver là, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut avoir des causes. Il faut d'abord comprendre les causes. Mais, apôtre Abdou, lorsque l'action est consommée, on ne regarde plus la cause. Non. Comment faire pour réparer? Je vous coupe un peu. Actuellement, si il se peut qu'il y a un problème d'un côté, quelles sont les solutions? Oui, il faut d'abord connaître les causes. Si on ne connaît pas les causes, on ne peut pas traiter. Mm-hmm. Quand vous partez chez un médecin, il va faire le diagnostic, mm-hmm. voir ce qui ne va pas. Mm-hmm. Il ne va pas prendre les médicaments comme ça, vous administrer comme ça, en savoir de quoi vous souffrez. Oui. Donc vous pensez par exemple que... D'abord, il y a les causes spirituelles. Oui, le pasteur qui nous fait signe, écoutons un peu, qui nous fait signe tout à l'heure, vous pensez qu'à ce moment, en plein culte avec ses enfants, et qu'il y a un problème à l'extérieur, il doit aller savoir d'abord quelle est la cause. Non, je suis en train d'expliquer parce que ça va aider. Mm-hmm. Si vous nous avez invités, effectivement, on vous écoute. Pour éclairer ceux qui nous regardent à la maison, oui, effectivement. Pour que la solution vienne dans notre pays. Mm-hmm. Parce que c'est un problème sérieux. Oui. C'est un problème qu'on ne doit pas prendre ça n'importe comment. Mm-hmm. On ne doit pas même traiter ce problème-là d'une manière religieuse. Mm-hmm. C'est d'une manière spirituelle. Parce que d'une manière religieuse, on va pas atteindre. Et ce n'est que la religion qui crée même beaucoup de problèmes. Mm-hmm. Et si la religion crée beaucoup de problèmes. Et d'une manière spirituelle, ça renvoie à quoi exactement? De manière spirituelle, c'est que il faut que nous voyons la cause. La première cause, la sœur nous a dit tout à l'heure que l'église, les gens ne se mettent pas ensemble. L'église se met ensemble, mais les gens ne veulent pas se mettre ensemble avec les autres. Je suis dans une plateforme où nous nous rassemblons en tant qu'église. Et la prophétesse que vous voyez là, elle est dans une plateforme où on se rassemble comme église. Et tout récemment, on a lancé un groupe, le Synergie pour la prière pour la nation. Et qui va se faire à Douala. On est en train d'organiser pour qu'on prie pour cette nation. Et nous avons dit qu'on ne doit pas seulement se limiter à la prière, on doit poser aussi des actes concrets. Donc, ça veut dire quoi? Il y a les causes. D'abord, il y a eu un temps où l'évangile pur n'était plus prêché dans notre nation. Les gens ont détourné l'évangile. C'est à cause, c'est la colère de Dieu est venue dans cette nation. Et maintenant, les gens, non seulement l'évangile a été détourné, il y a aussi les sectes pernicieuses qui ont pris notre pays en otage. Quand vous rentrez à Yaoundé, si vous êtes un connaisseur, vous allez comprendre que tous les carrefours ont été érigés des stèles dans notre nation. Parce que ça c'est des propositions que nous avons, des causes que nous avons énumérées dans notre rapport que nous avons envoyé à la présidence. Mmh. Pour dire que le pays a été dédié à des sectes pernicieuses. Non, mais là, on peut même le dire ça quand même à l'antenne, que tout un pays, vous pouvez dire comme certaines personnes... Je vous dis, quand il y a des hôtels qui sont déjà établis, parce que quand vous arrivez dans les carrefours et les stèles sont élevées, ça veut dire qu'il y a un hôtel qui est élevé. Mmh. Et cet hôtel parle contre la nation. Mmh.
Mais la question à savoir, rapport à Abdou, peut-être que vous ne comprenez pas, quelles sont les propositions pour trouver les solutions? C'est ça qui nous intéresse ici. Permettez-nous un peu, toutes les personnes qui nous écoutent sont au courant de ce qui se passe du côté de Baminda ou de Bouya, ou bien de ce qui se passe dans le monde. Ça, ils le savent. Donc, nous sommes là pour donner des propositions à ceux qui nous sommes en train de... Je vais te donner les propositions. Voilà. Première proposition, nous avons demandé un retour à Dieu. Mm-hmm. Un retour national. Une pause nationale. Une journée de réflexion sur soi. Que les Camerounais réfléchissent. C'est-à-dire que chaque Camerounais doit réfléchir sur lui-même. Mm-hmm. De manière s'il s'est détourné de Dieu ou s'il s'est attaché à Dieu. Je parle de toutes les religions. Oui. Tous les Camerounais doivent revenir une journée où on va décréter, peut-être par le président de la République, oui. Il décrète une journée de réflexion sur soi. Mm-hmm. Après cette journée, une journée de repentance générale. Mm-hmm. C'est possible et ça ne coûte pas. On ne demande pas l'argent. On ne va pas nous demander l'argent. On va revenir une journée de repentance totale et de retour à Dieu. Mm-hmm. Voilà la première solution. Et deuxième solution, c'est mettre ensemble. Sous l'abapala, parce qu'à l'époque, nos parents avaient ce qu'on appelle l'abapala. Quand il y avait des problèmes, ils partaient s'asseoir, ils discutaient ensemble, ils se disaient des vérités. Et en ce moment-là, la paix va revenir dans les cœurs des gens. Parce qu'on ne peut pas désarmer les cœurs des gens. Mm-hmm. Pour désarmer les cœurs des gens, il faut le spirituel. Ce n'est pas l'arme, ce n'est pas le kalachnikov que tu peux désarmer les cœurs des gens. Ce qui désarme la pensée, c'est une autre pensée. Il y a un mot en grec qu'on appelle sophonizo, c'est-à-dire sauver la pensée des autres. Mm-hmm. Il faut, pour sauver la pensée des autres, c'est-à-dire mettre une autre pensée dans la pensée de l'autre pour que cette pensée soit sauvée. Et c'est ce que le pays a besoin aujourd'hui. Que tous ceux qui nous regardent, parce que c'est très important, tous ceux qui nous regardent puissent voir qu'on peut lancer cette journée de réflexion nationale. Une journée simplement, où nous allons réfléchir. On met le drapeau national en bête. On déménage tous les Camerounais de réfléchir sur soi. Et nous amener à une repentance. Ça s'est passé dans la Bible. Mm-hmm. En Ninive, lorsque le prophète est arrivé à Ninive, il est parti que dans combien de jours là 40 jours, c'est pas dans 40 jours, Ninive sera détruit. Et le roi de Ninive a suivi. Qui était païen, mm-hmm. qui ne connaissait pas Dieu, il a suivi ce message. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu de son lit. Et il a pris la cendre. Il a mis la cendre sur lui. Mm-hmm. Il a décrété un jeûne national. Un jeûne dans le pays. Où même les poulets, les animaux ont gêné. Mm-hmm. Et la colère de Dieu s'est éloignée de la nation. Mm-hmm. Et c'est ce que nous proposons en tant que les hommes spirituels. Ce n'est pas un problème de la religion. C'est un problème spirituel. Et si ce problème spirituel est posé sur la table, et que nous, les Camerounais, nous comprenons cela, et que nous revenons de tous nos cœurs, parce que ceux qui sont les hommes de Dieu, qui sont détournés de la parole de Dieu, ils se connaissent. Ceux qui ont érigé les stèles dans notre nation, ils savent que c'est pas bon. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans ce passage que les gens seront... je vais lire un passage ici, rapidement, avant de chuter. Allez-y, on peut, mais allez-y. Que dans les derniers jours, c'est dans 2 Timothée, chapitre 3, à partir de verset 3. Mm-hmm. Mais sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles. Mm-hmm. Le mot insensible m'intéresse. Mm-hmm. Aujourd'hui, les gens sont insensibles aujourd'hui. Mais pour que les gens deviennent sensibles, il faut le retour à Dieu. C'est parce que les gens sont éloignés de Dieu qu'il y a eu la sensibilité. On n'est plus sensible. Donc voilà les propositions que nous essayons de donner aux gens et pour donner même des propositions à long terme. Revenir l'enseignement des principes de Dieu dans les écoles. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas rentrer dans un bus. Un jeune garçon comme vous, comme ça, qui est bien habillé, voit un vieillard, il va se lever pour que le vieillard s'assoie. Mmh. Pourquoi? Parce que les gens ont perdu les principes de Dieu. Voilà. Nos parents enseignent. Merci beaucoup, apôtre Abdou. Ça renvoie à ce message, à ce message qui nous vient aussi. Je voulais dire, s'il vous plaît, envoyez-nous des messages pour participer à l'émission, non pas pour répondre directement d'une manière plus ou moins à de ces personnes. Je ne peux pas lire les messages qui ne répondent, qui ne cadrent pas
avec la ligne éditoriale. Alors, je vais dire, vous pouvez participer à toujours l'émission au contact qui s'affiche. Nous avons reçu 4 messages, mais les 4 messages, je ne peux pas. Vous pouvez résumer. Non, je refuse même de les lire en blanc pour dire à ceux qui nous sont en train d'écrire de respecter sur la ligne éditoriale. C'est une émission chrétienne, c'est un débat intellectuel avec des personnes ressources. Si vous voulez participer, participez pour construire, non pour détruire. Merci beaucoup. C'était ça le message que je voulais passer. Alors, oui. Madame, on revient à vous. Vous avez eu la parole déjà? Oui. Bon, oui, allez-y. Allez-y. Je voulais prendre la parole justement après l'apôtre Abdou Karios, justement, pour dire que, certes, l'Église a un rôle de réconciliation. Et comme je l'ai dit, je ne veux pas qu'on regarde l'Église en tant que bâtiment. Et tout à l'heure, je reviens parce qu'il a dit, il est en train, ou eux, ils sont en train de mener des actions. La prophétesse est en train de mener des actions. Moi également, je dirais, au sein de ma chapelle, la chapelle de la gloire de Christ, on a mené des actions. On a eu des séances où on a dit, prions pour notre nation. On a fait des marches, on a fait. Mais oui. Je m'inscris encore dans le sens où, certes, si tu pries, comme chanter une chante, si tu pries ici, moi je prie là-bas, nous sauverons le monde. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas que je prie dans mon église. Ça ne suffit pas que tel prie dans son église. Ça suffit que nous venons ensemble. Et c'est ça que moi je disais, l'église peut faire quelque chose, l'église peut mener cette action d'amour-là, si déjà entre eux, il y a de l'amour. Donc, c'est une façon d'interpeller l'Église, de dire, ne dis pas que je prie chez moi, tu pries chez toi. Non, montrons que l'Église peut justement permettre qu'il y ait, ou alors poser sa petite pierre à l'édification, justement, ou alors à la destruction des atrocités, en sémant l'amour. Et il y a ce qu'on appelle aussi le pardon. Je pense que ça fait partie de nos piliers et c'est très, très important. Il y a des choses dans des cœurs que les gens ne peuvent pas dire. Et tant qu'il y a des choses dans les cœurs qu'on ne peut pas dire, que ce soit entre nous les frères, que ce soit entre nous les frères dans le Seigneur, que ce soit entre nous les créatures de Dieu, mon frère musulman, bouddhiste, etc. Si nous ne sommes pas capables de venir ensemble et déjà de sortir de ce précepte de « je suis pentecôtiste, je suis catholique, je suis ceci », je pense que si on se met ensemble en tant que créature de l'Éternel, particulièrement pour le Cameroun, on pourra faire quelque chose, on pourra rétablir cette paix qui est en train de s'effriter. Merci beaucoup, particulièrement pour le Cameroun, ça m'intéresse. Hein. Ce que je retiens sur vos propos, c'est que en tant que créature de Dieu, justement, quand on parle de créature de Dieu, mes frères musulmans ont la place, mes frères, prison, tout c'est le la monde à la si je effectivement. À dire, il est musulman, il est. Ça m'intéresse. On ne vient pas ensemble. Ça m'intéresse beaucoup. Il a parlé tout à l'heure. Pasteur Annie, s'il vous plaît. De l'arbre à palabre. Pasteur Annie, merci beaucoup. Alors, on va passer la parole à la prophétesse Louise Bemetoumi. Mais avant, je voulais faire un clin d'œil à Mbombo Mandeng depuis Edea, qui dit que le véritable problème, c'est vous, l'Église. Vous avez perdu les traditions et vous avez présenté la Bible. Vous êtes victime de vos propres égoïsmes. Là, c'est Bombo Mandin, c'est un patriarche depuis Edea, qui dit, c'est vous, en fait, tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est l'Église actuelle. Alors, prophétesse, merci Bombo pour votre participation. Merci. Merci. Le Bombo. Micro, s'il vous plaît. Merci Bombo. Je vais commencer par lire quelque chose. Oui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers et qui étaient mécontents, se rassemblaient auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à David environ 400 hommes. Rappelez un peu les passages pour ceux qui sont 1 Samuel 22, d'accord, intéressant. Verset 2. Qu'est-ce que je veux dire? Ceux qui se sont rejoints, ceux qui ont rejoint le camp de David étaient près de 400 personnes. Ce sont des personnes comme ceux-là qui pleurent aujourd'hui à Bamenda, comme ceux-là qui pleurent au nord. Ils étaient soit mécontents, soit dans la détresse, soit parce qu'ils ont des dettes. C'est pour cela qu'ils sont devenus peut-être ceux qui sont devenus aujourd'hui. C'est cela qu'on parle d'un camp. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'une personne qui avait une véritable relation avec Dieu
s'est tenu et a présenté Dieu. Et ces gens-là l'ont suivi. Quand les gens-là, après que les gens-là l'ont suivi, cette personne a travaillé sur ces personnes-là. Quelques années plus tard, toutes ces personnes sont devenues des ministres. J'allais dire, ils sont devenus des hommes d'affaires. J'allais dire, ils sont devenus des grands cultivateurs. J'allais dire, ils sont devenus des personnes ressources pour la nation tout entière. Mon problème avec l'Église, c'est que jusqu'à présent, moi je suis camerounaise. Je ne suis pas née dans l'Église comme les autres, mais un jour dans ma vie, j'ai commencé à fréquenter l'Église. Et j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de personnes qui parlent de Dieu. Mais maintenant, mon problème, c'est que quels sont les meneurs, ceux qui parlent de Dieu? Quels sont les véritables meneurs? Parce que quand on a en face de soi un véritable meneur, il amène les gens à exécuter un plan. Oui, ceux qu'on appelle aujourd'hui les Amazoniens ont eu un meneur. Il leur a mené à exécuter un plan. Ils l'ont mis sur le tapis et on voit les résultats. Mais maintenant, les résultats qui ont échoué, il faut rappeler ça. Qui ont échoué. Voilà. Et mais nous souffrons. Même comme ils ont échoué, nous souffrons. Mais maintenant, nous qui sommes pasteurs, nous sommes où? Quel est notre leadership? Qu'est-ce que notre leadership peut apporter? Je pense que c'est ça la question. Mais moi, je dis que nous devons revenir sur l'enseignement. Parce que c'est l'enseignement qui bâtit. Jésus, en fait, le Seigneur a dit, en fait, Dieu a dit à Josué, que ce livre ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras et c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Mais maintenant, il y a un problème. La valeur de l'écriture, nous ne la connaissons pas. Mais dans le livre d'Hébreux, 4, au verset 12, il est écrit, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Ça veut dire que la parole de Dieu peut restaurer un pays. Donc, mon problème maintenant, c'est que nous, en tant que leader, qu'est-ce que nous sommes? Est-ce que nous sommes vraiment les leaders? Parce que voici un leader qui prend 400 personnes. Il n'a pas de pays. Parce qu'à ce moment, David n'a ni pays, ni maison. Il marche avec 400 personnes. On compte les hommes parce qu'à l'époque, on ne comptait rien que les hommes. On ne comptait pas les femmes. Ça veut dire que s'il y avait 400 hommes, il y avait au moins ceux qui étaient polygames. Oui. Il y avait au moins 800 femmes. Il y avait au moins 2000 enfants. Oui. Mais cet homme prend ces gens-là parce qu'il est un serviteur de Dieu. D'accord. Il a la crainte de Dieu. Il connaît Dieu. Il traîne ces personnes-là. Il les fabrique. Et il les rend des hommes valables. Moi, mon problème, c'est de créer. C'est que en tant qu'église, moi, ce qui parle en tant qu'église, mon rôle, c'est de permettre à plus de 400, lui, il avait seulement 400. Moi, c'est de permettre à des milliers de personnes de trouver de quoi manger. En fait, de devenir des leaders. Oui. Des leaders, pas seulement parce qu'ils connaissent la parole de Dieu, Dieu, mais des leaders qui peuvent en même temps, ils parlent, en fait, en même temps, ils prêchent l'évangile, en même temps, ils créent une entreprise. Parce que Daniel avait un problème. En fait, le monde avait un problème à l'époque de Daniel. Mais la parole de Dieu dit que Daniel était 10 fois supérieur à tous les satrapes et tous les magiciens. N'était-il pas un chrétien? Il était un chrétien. Donc, il connaissait Dieu et il a mis son Dieu au vu et au-dessus de tout le monde. Et il a changé le pays. Il connaissait 10 choses. Mon problème, c'est que si tu prêches l'évangile, il faut prêcher autre chose. À côté de l'évangile, c'est quoi? Moi, la autre chose que je vois qu'on doit prêcher à côté, c'est quoi? C'est de créer une entreprise. Créer des emplois. Créer une entreprise. Des chrétiens. Bah, c'est pourquoi Dieu parle de la foi avec des œuvres. Effectivement. C'est de créer des ensembles. Alors, pour revenir un peu, hein, moi, j'écoute beaucoup... Pour le moment, nous avons un problème sérieux dans
la prophétesse donne un premier micro. Mais nous pouvons toujours, nous pouvons toujours. Pour le moment, je vais dire, pour le moment, pour le moment, il faut d'abord. Non, ce n'est pas seulement le riz qu'on va donner. Le riz, c'est pour un jour. Non, je comprends. Mais si les gens, je comprends. Moi, je suis ici à Yaoundé, il n'y a pas la guerre ici. Ça veut dire que je dois marteler à créer des entreprises. Non, pour le et moment. Et pour pouvoir maintenant nourrir les autres. Mm-hmm. Donc, le riz, là, c'est pour une journée, hein, ce n'est pas pour deux jours. Oui. Alors. Permettez un peu, permettez. C'est son temps. À long permettez. Terme. Ce n'est pas une solution à court terme. À court terme, c'est le sac de riz. Moi, je ne suis pas dans le sac de riz. Moi, je ne donnerai pas le sac de riz à quelqu'un. Voilà. Moi, je veux créer des entreprises. C'est là mon problème. Oui. Alors, on va, permettez un peu, on va donner la parole tout à l'heure, avant de passer le micro à passer Benoît. Moi, je reviens un peu sur la préoccupation de la prophétesse. C'est une préoccupation très importante. Parce que, excusez-moi, j'ai eu la chance de fréquenter, de faire des couvertures dans plusieurs églises. Où je me rends compte que la première chose qui dérange d'abord, c'est la pauvreté dans les églises, si je peux le dire. Mais c'est que des frères, des sœurs font tout au nom de la parole de Dieu. Ça veut dire que quelqu'un se lève le matin, il sait qu'il va, il est couché sur place, il va manger au nom de Dieu. Il va prier, Dieu va donner la nourriture. Moi, je suis pensant qu'il y a quand même un changement. Et ça, je rejoins un peu, sans être avec elle, mais je dis, c'est vraiment l'évangile que nous devons passer aujourd'hui. Parce que si je viens le matin, je finis la prière, je pars au travail, j'ai de quoi nourrir ma famille, il y a un changement. Ou je peux venir à l'église aujourd'hui, prier, dormir, attendre quand le frère va rentrer le soir, ou le pasteur, pour qu'il me donne 1000 francs, il y a un problème. Donc je pense que ce qu'elle dit aussi est très important. On a 30 secondes parce que c'est oui, la parole. Oui, je vais répondre, je peux répondre. L'église ne crée pas les entreprises. L'église n'a pas le rôle d'aller créer les entreprises. Vous n'avez pas compris. Elle a dit, dans elle, l'église, en église, voilà. Dans l'église, il y a les entrepreneurs. Qui peuvent créer des entreprises. Mmh. Vous pouvez avoir dans votre église le président de la République. Mmh. Vous pouvez avoir dans votre église le premier ministre. Mmh. Vous pouvez avoir dans votre église, je ne sais pas, un cadre de la société. Mmh. Vous pouvez avoir dans votre église les enseignants. Mmh. Vous pouvez avoir dans votre église toutes ces couches de personnes. L'église où regroupe toutes ces couches de personnes. Mmh. Et c'est toutes ces couches qui forment l'église. C'est à partir d'eux qui peuvent créer des entreprises. Mmh. Qui peut apporter, amener la connaissance, amener les gens à travailler, à avoir des connaissances, ou vivre des écoles. C'est ça, c'est et ça. Et si vous avez une église qui n'a pas toutes ces personnes-là, vous faites comment? Parce quand vous n'avez pas une église qui a toutes ces personnes. Et que vous, en tant que leader de cette église, vous avez les capacités de le faire, vous ne pouvez pas le faire? Lorsque vous avez une église qui n'a pas toutes ces personnes, oui. Vous pouvez, entre-temps, parce que vous ne pouvez pas manquer ces personnes. Ce n'est pas possible que vous ayez une église, il n'a pas un enseignant, ou bien quelqu'un qui peut faire quelque chose. Dans notre église, il y a des informaticiens qui peuvent permettez-nous, il y a des mécaniciens. Vous avez appris la parole deux fois, on va passer la parole. S'il vous plaît, je profite pour dire à toutes les personnes qui regardent la maison, n'appelez pas, je reçois les appels là, s'il vous plaît, pas d'appel, uniquement par SMS ou WhatsApp, pas d'appel. Alors, je veux rebondir sur deux choses. Premièrement, je veux rebondir sur la préoccupation de monsieur Mandenga, qui a dit que c'est nous-mêmes qui causons le problème. En vérité, je veux dire quelque chose. Je veux dire que le malheur de l'Afrique, c'est la tradition africaine. Le malheur de l'Afrique, c'est cette tradition. Ça veut dire que jusqu'à ce que l'Africain dépasse ça, ça veut dire que qu'il sortait de cette affaire, mais on n'était pas développé. Vous savez que la religion, c'est la tradition d'une personne, vous le savez? La religion, n'est oui, la religion, c'est une tradition. C'est une tradition. Le christianisme n'est pas une religion. Non, écoutez un peu. Je dis, est-ce que vous savez que la religion, aujourd'hui, vous parlez de quelle religion? Le problème est le christianisme. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une façon de vivre. Écoutons un peu. C'est pour revenir un peu sur ce que Bombo dit. En fait, ce que Bombo dit, c'est qu'on a oublié la même de nos traditions et on présente désormais la Bible. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut dire par là. Qu'est-ce qu'il veut faire? Je veux comprendre là. Par exemple, on a un frère qui est malade. Au lieu de lui dire, bon, allons à l'hôpital pour que tu sois, on va prier. Est-ce qu'on est dans ce maintenant qu'en priant, ça va aller? Mais parfois, on prie, ça ne marche pas. C'est un peu ça. Que Bombok. Le problème que vous soulevez est plus profond qu'il n'y paraît. Mmh. C'est un problème d'enseignement. Mmh. Ça veut dire que, par exemple, vous avez soulevé ce problème-là tout à l'heure, que certaines personnes restent à l'église et prient en disant que Dieu va leur donner. C'est un problème d'enseignement. Oui. Jusqu'à ce que le leader enseigne aux gens à aller chercher. Oui. Parce qu'il y a une parole aussi dans la Bible qui dit que cherchez et vous trouverez. Et si le leader n'enseigne pas, ça veut dire que la communauté... Parce que, n'est-ce pas? Elle a bien fait de soulever ça. Il y a toujours un meneur dans un groupe. Voilà. C'est celui qui mène, qui définit la politique du groupe. C'est lui qu'on appelle donc le leader. Mm-hmm. Ça veut dire que le leader a la Bible, mais le leader tire de la Bible quelque chose qu'il implémente sur les hommes qui le suivent. Mm-hmm. Si ce qu'il tire
de la Bible est limité. Ça veut dire qu'il peut être, il peut avoir des manquements dans sa compréhension et enseigner des portions. Ça va faire que les autres là auront aussi un comportement. Regardez les premiers apôtres. Ils avaient tout quitté. Ils étaient venus rester après le départ de Jésus. Ils attendaient son retour directement. Ils sont venus caler à Jérusalem. Il fallait la persécution pour qu'ils se dispersent. C'est la même chose. Hein? Pourquoi? Parce que ils ont eu une vision partielle. Ils se sont dit, Jésus revient bientôt. C'est terminé. Et aussi, ça s'est passé comme ça dans une génération ici. Jusqu'à ce que qu'on se rende compte que quelque chose vient changer dans la pensée, qu'on se rende compte qu'on doit aller partout. Ça veut dire qu'il y a du travail à faire. Ça veut dire que Jésus revient. Mais ce n'était pas aujourd'hui. Okay. Là. Mais il revient, on l'attend tous les jours. Okay. Mais là. Donc, il y a un problème d'enseignement. Ça rentre toujours et encore dans l'éducation. Ça rentre toujours et encore dans l'enseignement. Ça rentre toujours encore dans le conseil. L'Église, à moins de dire des choses que si on ne dit pas. Bon, écoutez-moi un peu, excusez-moi un peu, pasteur Benoît. Moi, j'ai beaucoup apprécié tout à l'heure l'intervention de pasteur Annie, qui a utilisé un peu le côté créature de Dieu. Mais en vous écoutant, on peut tout simplement changer le monde en tant que chrétien. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas chrétiens ne peuvent pas participer au changement des choses. Regardez, le monde ne peut être meilleur sans Jésus. Oui. Intéressant. Ça veut dire que le monde, on a la paix dans le monde à cause de Jésus. Oui. Le jour où l'Église ne sera plus dans ce monde, ce sera le 666, ce sera le gouvernement mondial, ce sera l'Armageddon, la guerre de l'Armageddon, ce sera ça qui va suivre. Nous qui scrutons les Écritures, nous voyons ces choses se dessiner. Nous savons ce qui vient. Je dis que ce n'est que Jésus qui apporte la paix. C'est comme ça. Ok. Alors, je vois notre frère musulman secouer la tête là. Je vous passe la parole directement. Je vous passe la parole. Allez-y, oui. Oui. Bon, c'est vrai que je m'inscris en faux avec tout ce qu'il a mentionné. Parce que aujourd'hui, on trouve des églises, mais il y a du désordre dans le monde. Oui. Donc, je m'inscris en faux. Déjà, et la logique et la réalité aussi demandent, n'est-ce pas, cela. Ce qui peut apporter la paix dans ce monde, je dis et je répète, c'est l'adoration de Dieu, l'unique sans associé. Oui. C'est ici qu'il y a le bonheur. Même dans le Coran, vous allez trouver, Allah, le Très-Haut, dit, « Allezina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. » Il dit, « Ceux-là qui ont cru en Allah et qui n'ont pas mélangé leur foi avec quelque injustice. » Et l'injustice ici, il s'agit, n'est-ce pas, de l'associationnisme. J'ai envie de poser une question à mon frère. Je m'excuse. C'est la même question. Oui, allez-y. Non, posez. C'est moi qui pose des questions. Chutez. On a pris quelques minutes. Alors qu'on a quelques minutes. D'accord. Allons-y. Dans la solution de la paix, de tout ce que nous voulons aujourd'hui, la stabilité dans le monde, se retrouve dans l'adoration de Dieu. Parce que Dieu, lui qui est créateur du monde. Parce que j'aimerais qu'on revienne ici. Celui qui est créateur, tu ne peux pas créer alors que tu ne connais pas. Donc, Alaya Alamu Man Khalaqa wa Latiful Khabir. Donc, le créateur. Ne peux-tu pas connaître, n'est-ce pas, le problème de ces créatures? Comment? C'est impossible. Donc maintenant, le Créateur qui nous a créés, il nous a donné des solutions pour, n'est-ce pas, avoir la paix, pour, n'est-ce pas, avoir la stabilité. Il a dit, cette solution-là, c'est quelle? C'est son adoration, lui seul, sans associé. À partir du moment où, par exemple, ma mère en face de moi a mentionné quelque chose tout à l'heure, que nous devons revenir sur le sens des créatures. C'est vrai. Mais maintenant, elle demande aussi que, on devra faire disparaître ces esprits, je suis musulman, je suis chrétien, je suis ceci. C'est quelque chose qui est très impossible, même avec la logique. Pourquoi? Parce que ce sont des croyances. Le musulman est croyant, il croit à quelque chose. Le chrétien croit à quelque chose. Revenons dans la croyance et vérifions le problème. Vous voyez aujourd'hui quelqu'un aujourd'hui qui se réclame d'être un serviteur de Dieu, qui adore une créature comme elle-même. Qui adore autre chose en dehors de Dieu. Comment voulez-vous qu'on concrétise la paix? C'est impossible. C'est pourquoi le musulman appelle revenez. Non, on n'adore pas la créature. En islam, l'islam met une barrière. On n'adore pas le prophète Mohammed. On n'adore pas le prophète Jésus. On n'adore pas le prophète Moïse. C'est tous ces portes sont fermées. On adore le Seigneur créateur. Le Seigneur de l'univers, Allah seul et unique sans associé. Ok, merci beaucoup. Je rappelle qu'il nous reste très exactement 9 minutes pour clôturer cette émission. 9 minutes tout simplement. Hein. Nous venons de passer 90 minutes avec vous à la maison. Et nous disons merci à toutes les personnes qui ont participé. Vous pouvez toujours participer. On va prendre une pause, on revient tout à l'heure pour conclure cette émission. Merci beaucoup.
Première livraison donc de ce mois de mars. Je rappelle que nous sommes le lundi 4 mars en direct de Yaoundé. Vous regardez dans l'émission Question de foi, votre grand temps de débat intellectuel et débat chrétien avec des personnes ressources. On a des musulmans, on a des africanologues, on a du moins toutes des couches pour discuter, pourquoi pas. Je pense qu'on vient de passer 90 minutes avec vous. Vous avez, pourquoi pas, retenu quelque chose de plus d'intéressant. Hein? Mais on va passer maintenant, en 30 secondes, très rapidement, un dernier tour de table au passage à retenir de tout un chacun. Si on va commencer par vous, apôtre Abdou. En 30 secondes, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage sur ce plateau, ce qui concerne le thème? On retient que l'Église a la solution pour la crise qui nous mène dans cette tension. Oui. Et la solution, c'est que l'État du Cameroun puisse coûter l'Église aussi également. Et les propositions que l'Église a faites, que l'État puisse suivre cette proposition-là. Et maintenant, nous lançons un appel à tous ceux qui sont en train de nous regarder. Le sac de riz est important, parce que quelqu'un qui est là-bas, qui a des problèmes aujourd'hui, il a besoin de manger, il a besoin de s'avertir, il a besoin d'avoir un morceau de savon pour laver son habit. Lorsqu'on va se déplacer pour aller dans ces endroits, se déplacer. Nous allons les prêcher l'évangile. Oui. On ne peut pas seulement donner les sacs de riz. On va là-bas, arriver dans ce camp. C'est un lieu. Mm-hmm. Parce que quand vous arrivez au camp du Nigeria, on dit qu'il y a plus de combien de milliers de personnes là. Mm-hmm. Vous allez prêcher l'évangile. C'est en ce moment, ils vont bien comprendre l'évangile. Okay. Lorsqu'il y a des difficultés. Donc nous disons à tous, et même ceux qui sont dans ce plateau, nous vous attendons vos sacs de riz. Et ceux qui sont là, nous vous attendons vos sacs de riz. C'est pas, la foi n'est pas seulement de parler. Oui. La foi, c'est faire et parler, agir. Ok. C'est déplacé. Je vais insister sur ce point de. Nous encourageons l'émission Question de foi, même d'ailleurs, vous accompagne dans cette initiative, dans cette idée objective, de donner un sac de riz et du savon à toutes les personnes qui sont de l'autre côté, des habits que vous ne portez plus. Nous accompagnons vraiment cette initiative et nous pensons qu'à chaque fois que vous avez besoin de passer un message, venez sur ce plateau, pourquoi pas, on va vous donner la parole pour ça. Donc, à la maison, donc, vous êtes chrétien, vous êtes leader d'une église ou bien pasteur, l'apôtre Abdou lance un conseil qui consiste à donner un sac de riz, pourquoi pas, pour des personnes qui en ont besoin. Nous disons merci beaucoup pour ce concept et on va arriver très prochainement. On passe la parole très rapidement au pasteur Annie. Je rappelle qu'elle est pasteur ici même à la chapelle qui nous reçoit. Mais dis-nous quand même un mot par rapport à la chapelle. Comment ça va? Quels sont les programmes? Le programme de la chapelle de la gloire de Christ, c'est comme aujourd'hui, nous sommes lundi. Oui. Déjà, nous avons eu une prière d'intercession. Et quand on parle de prière d'intercession, justement, tout ce temps, on se tient à la brèche pour notre nation et pour nos frères du triangle national et hors, parce que nous savons ce qui nous menace, en fait, dans le Cameroun. Alors, le mardi également, nous avons des enseignements, l'école de vision, pour parler de la vision de l'Église, la vision de Christ, mercredi, l'étude biblique. Jeudi, nous avons l'école de fondation, la continuité de l'école de la vision. Et vendredi, nous avons des séminaires, justement, pour la compréhension de la parole de Dieu. Samedi, les répétitions et autres réunions. Et voilà, dimanche à 9h. Nous avons le programme à l'église. Voilà. Merci beaucoup à même. On sera cette émission sans dire bonsoir à votre pasteur. Je voudrais dire bonsoir à la prophétesse, la maman, la visionnaire de la chapelle de la gloire de Christ, la révérende Christence Baboké, également l'ancien Oswald Baboké, sans oublier bien évidemment le pasteur Landry Sosomba et tous les pasteurs de la chapelle de la gloire de Christ, pourquoi toute pas les leaders également. Justement, que ce soit du côté de Dimako, du côté de Yaoundé à Messa Mendongo, je dis bonsoir. Merci beaucoup, pasteur Annie, de votre passage ici. Je voudrais conclure également, d'accord, il n'y a pas de problème. Je dirais que l'Église a beaucoup à faire. L'Église doit se tenir à la brèche. Mais en même temps, le Seigneur interpelle tout le monde. Il dit dans le livre justement de 2 Chroniques 7, verset 14, un verset que nous connaissons. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai ses péchés. » Et je guérirai son pays. Merci pense beaucoup. Qu'on doit sur ce verset, on va se séparer avec vous. On passe la parole rapidement à la prophétesse Louise. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de l'église la Couronne du Salut. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Quand même un mot pour toutes les personnes, vos pasteurs, tout le monde qui vous regarde, pour conclure de ce passage. Je veux saluer saluer tous les pasteurs, membres de la Couronne du Salut, saluer Papa Onguené,
saluer le pasteur, tous vos pasteurs, avec tous mes pasteurs, voilà. Et saluer aussi les chrétiens. Mmh. Et mais je veux pour citer ceux qui à ceux qui nous concernent ici là, mon problème, ce sont les leaders. Oui. Les leaders sont malades. Mmh. Ils sont incapables de créer les richesses. Oui. Et les richesses, c'est le seul problème qui dérange. Mmh. Si les gens mangent, oui, ils vont qu'écouter l'évangile là. Mmh. Et effectivement, il est difficile quand même d'avoir un ventre vide. Alors, les gens ont faim. Donc, le monde entier soupire en attendant la révélation des fils de Dieu. Mmh. Les fils de Dieu doivent apporter la parole de Dieu, l'enseignement de Dieu, mais apporter l'argent, mmh, la richesse, la nourriture. Moi, je dis, créer les âmes. Les richesses. Merci beaucoup. Pour ce passage, je rappelle que c'est la première fois que sur ce plateau. Allons-y, Pasteur Benoît, en quelques minutes. Hein, nous sommes. Oui. Je vais premièrement commencer par faire un clin d'œil à mon voisin de gauche, mm-hmm, en disant que les États où on se réclame être adorer le Dieu unitaire ont aussi des calamités. Mm-hmm. Plein, plein, plein. Des mêmes calamités. Ils ont défié. Il y a des choses là-bas qui se passent. Pourquoi on ne dit pas? Parce que j'ai eu dit que c'est le fait qu'on a, on a entre guillemets, associateurs, c'est les associateurs qui créent des problèmes. Parce que c'est deux minutes. Oui, tout. Je chute là donc en disant que l'Église a un rôle. J'ai dit premièrement, l'Église enseigne. Oui. Et nous le faisons toujours. L'Église dénonce. L'Église condamne. L'Église conseille. Et l'apôtre a parlé beaucoup de choses. Ce sont des conseils, okay, des propositions au gouvernement. L'Église combat par la prière et même par des dons. Okay. Pas des initiatives, et il y en a, il y a beaucoup de frères, de pasteurs qui ont des entreprises, okay, qui ont des associations, qui ont des mouvements ici, qui embauchent, qui emploient et qui créent des richesses. Merci à notre frère musulman de dire un dernier mot en quelques secondes, s'il vous plaît, Pasteur Benoît. Oui, et pour dire toujours ce qu'il a dit avant que je ne prenne la parole ici, que même des États où on adore le Dieu unique, il y a du désordre, je dis non, c'est impossible. Je dis partout où on adore Allah unique sans associé, que ce soit dans votre maison, dans votre âme d'abord, dans votre maison, dans votre famille, dans le pays où vous vivez, mm-hmm, vous allez trouver toujours la stabilité là-bas. J'ai dit non, vous n'allez pas me prouver le contraire. Merci beaucoup donc. Donc j'appelle le monde à adorer Allah seul, sans associé. Merci beaucoup donc. Il appelle le monde à adorer Allah seul. Hein. Moi, j'appelle le monde à adorer Dieu seul. Je pense que c'est le même Dieu que nous tous nous prions. Sur ce, nous disons merci à toute la grande équipe de Questions de foi qui nous accompagne tous les lundis dès 19h. Nous disons merci à toutes nos personnes ressources, à tous les pasteurs et les hommes de Dieu, les musulmans, les imams qui ont accepté pourquoi pas cette invitation. On se retrouve lundi prochain, si Dieu le veut. Ciao, ciao.